Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Je suis Ouda, la responsable de la relation client chez Studéli. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de la justification des ressources financières auprès du consulat de France dans le cadre de vos démarches de demande de visa étudiant long séjour. Donc, il est vrai en fait que nous avons reçu récemment plusieurs sollicitations à ce sujet. Lors notamment de nos précédents lives, et nous avons ainsi décidé de vous présenter l'accompagnement que Studéli offre à ce sujet aux étudiants en mobilité vers la France. Juste pour introduire et commencer donc notre live, nous ferons d'abord un petit point sur la rentrée universitaire 2020-2021. Nous savons que plusieurs personnes d'entre vous ont un projet d'études en France. Ils veulent arriver, ils veulent venir étudier pour la rentrée 2020-2021, mais ils stressent énormément pendant cette période exceptionnelle du Covid-19 et s'inquiète quant à la réalisation de leur projet d'études. Donc, on est là pour vous dire qu'il faut, il faut, il faut, il faut pas s'inquiéter. Soyez rassurés. La rentrée de septembre est bel et bien maintenue. Campus France, le principal organisme finalement chargé d'accompagner les étudiants dans leur démarche, il nous le confirme. Les écoles de commerce également nous le confirment aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser regarder cette vidéo, écouter bien leur message et nous allons revenir vers vous juste après. Ne zappez surtout pas. Bonjour, je suis Béatrice Cayac, la directrice générale de Campus France. Je voulais m'adresser à vous, étudiants internationaux, pour vous dire que, comme chez vous peut-être, la pandémie existe en France et les laboratoires de recherche, les universités travaillent à un traitement, travaillent à un vaccin. Et comme vous le savez, les étudiants internationaux participent activement à cet effort. C'est un exemple pour vous dire qu'en France, les étudiants internationaux sont attendus. Et vous? Nous vous attendons pour la rentrée. Vous êtes bienvenue en France plus que jamais. Les établissements, les universités, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les espaces Campus France à l'étranger, l'agence Campus France à Paris, bien entendu. Nous sommes tous à votre disposition pour vous aider à finaliser votre projet, à vous aider à vous inscrire, à vous accueillir au mieux, individuellement, ici, en France ou à distance, peut-être, à la rentrée. Bienvenue en France. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alice Guillon, je suis la présidente du chapitre des écoles de management à la Conférence des grandes écoles en France et également la directrice générale de Schema Business School. Nous souhaitions, avec Béatrice Cayatte, présidente de Campus France, vous dire que les écoles de commerce françaises, qui, comme vous le savez, sont très internationales, vous accueilleront, comme elles le font depuis des décennies, sur leurs différents campus et sans aucun problème dès la rentrée 2020-2021. Nous passons une période de crise sanitaire à l'échelle mondiale, prise très au sérieux par tous les pays, mais qui ne doit pas occulter le fait que vous êtes les talents d'avenir dont a besoin le nouveau monde qui va éclore à la suite de cette pandémie. Votre formation, vos expériences, qu'elles soient multinationales, à distance ou technologiques, vont encore mieux vous préparer à affronter une société dont les règles vont évoluer dans les prochains mois. Plus que jamais, votre ouverture et vos connaissances culturelles, linguistiques et digitales vous rendront précieux pour préparer l'entrée dans cette nouvelle économie. Celle-ci sera toujours aussi mondialisée, mais plutôt globale, c'est-à-dire avec des règles globales adaptées à une régionalisation très forte. Les établissements français sont prêts à vous accueillir d'abord virtuellement, si besoin est, pendant quelques semaines avec des cours en ligne, dans des communautés d'étudiants à distance, avec un accompagnement personnalisé, avant de vous avoir physiquement sur nos campus dès que les frontières seront à nouveau ouvertes et surtout sans risque sanitaire pour vous. Notre tradition d'accueil à la française demeurera la même et vous pourrez bénéficier de tous les services de nos écoles pour préparer votre venue. L'éducation, l'acquisition de talents sont plus que jamais un investissement stratégique pour préparer l'avenir de notre société et nous comptons avec vous, étudiants du monde entier, participer à ces nouveaux fondements. Nous sommes dès à présent à votre écoute pour répondre à toutes vos questions, mais surtout pour vous aider à préparer votre avenir en vous offrant une éducation hybride qui vous rendra différent et performant, qui vous préparera à bâtir sereinement les fondements d'une société plus durable et plus saine à l'avenir. Alors, bienvenue dans nos écoles de management et surtout bienvenue en France.
Rebonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints au moment de la diffusion de la vidéo. Comme vous l'avez bien écouté et comme l'ont bien dit la directrice de Campus France ainsi que la présidente du chapitre des écoles de management, les étudiants internationaux sont attendus aujourd'hui en France, vous êtes attendus. La rentrée de septembre est maintenue aux dates prévues. Les établissements aujourd'hui adoptent une plus grande flexibilité sur la date de la rentrée, notamment vis-à-vis des étudiants étrangers internationaux. Donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner au sujet des différentes démarches pour ceux qui sont encore en train de candidater entre vous. D'ailleurs, nous avons mis en place plusieurs lives à ce sujet où nous avons pu recevoir plusieurs chargés d'admission dans des écoles prestigieuses en France qui nous ont confirmé leur conscience du contexte, leur prise de conscience du contexte difficile et surtout nous informer qu'ils examinent les demandes au cas par cas avec flexibilité et dans l'intérêt de l'étudiant. Donc allez surtout les regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook, vous pouvez également les retrouver directement sur notre compte Instagram. Nous partageons avec vous nos liens après chaque live. Donc voilà, je vous laisse faire tout ça. Et puis revenons donc à notre sujet du jour et à l'objectif de notre live, qui, je rappelle, est de vous présenter notre service de justification des ressources financières. D'ailleurs, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous, comme vous l'avez vu au niveau de l'introduction, trois étudiants qui partageront leur expérience avec vous à la fin de cette partie. Donc restez connectés pour quand ils vont intervenir. Comme quelques-uns le savent déjà, après obtention d'une admission dans un établissement d'enseignement supérieur en France, la prochaine étape est de constituer le dossier de demande de visa étudiant, d'accord ? Chaque étudiant étranger souhaitant étudier en France, est en capacité de pouvoir, entre autres, prouver aux autorités consulaires qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour couvrir son séjour en France. Une attestation de virement irrévocable éventuellement, ou ce qu'on appelle un compte bloqué, ou ce qu'on appelle également dans d'autres pays une attestation de virement permanent, c'est tous des éléments indispensables au niveau de la demande de visa. Donc ces éléments, ils prouvent simplement aux autorités que vous êtes capable de subvenir à vos besoins pendant votre année d'études sur le territoire français. Bon, pour pouvoir en justifier, il est possible de justifier des ressources financières en présentant le dossier d'un garant, par exemple. On en a également parlé pendant les derniers lives. On peut également disposer d'une bourse. On peut également fournir, comme je vous ai dit, une attestation de virement irrévocable ou un compte bloqué. Les bourses, tout le monde n'en a pas, ou éventuellement, quand on en a, ça couvre pas la totalité de ce qui est exigé. La solution du garant reste valable, mais elle reste quand même moins sûre, comme on l'a d'ailleurs vu également dans nos derniers lives de logement. On a parlé de garant dans le cadre du logement, mais c'est du pareil au même. On a eu des témoignages, on a vu qu'avoir un garant physique reste moins sûr qu'avoir un garant institutionnel, sachant qu'avec un garant physique, vous devez vous assurer que votre garant s'engage réellement. Il y a plusieurs éléments qui doivent être validés dans votre dossier. L'évaluation plutôt de la pertinence de ces éléments-là, elle dépend de plusieurs critères. Donc, soyez bien vigilants quand vous choisissez, quant au choix de votre justification de ressources financières. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous présenter ce qu'on fait et comment est-ce qu'on le fait afin de mieux vous familiariser avec ces thématiques-là. Donc, effectivement, le compte bloqué ou compte bancaire bloqué et le transfert irrévocable, il reste une solution des plus fiables, si ce n'est la solution la plus fiable. Vous allez, en fait, par ce biais, autofinancer votre projet d'études en effectuant le blocage de votre argent ou celui de vos parents sur un compte bloqué en votre nom. Au moment où vous arrivez sur le territoire français, donc vous arrivez en France, vous entrez en possession de vos virements mensuels sur la période d'une année d'études. C'est ça ce que le consulat effectivement souhaiterait par cette justification des ressources.
Depuis bientôt 4 ans, on va d'ailleurs bientôt fêter nos 4 ans d'existence chez Studeli. Depuis bientôt 4 ans maintenant, Studeli est l'œuvre quotidiennement pour permettre à grand nombre d'étudiants d'obtenir cette attestation de virement irrévocable sous un délai record de 48 heures. Nous nous améliorons, nous évoluons, nous nous implantons dans 14 pays maintenant avec plusieurs ouvertures pays prévues en Afrique centrale. C'est énorme et nous souhaitons vraiment nous rapprocher de chacun d'entre vous, de répondre à vos besoins là où vous êtes, afin de vous permettre de réaliser votre projet d'études. D'accord ? On vous offre, avec cette solution-là, d'ouvrir un compte bloqué en France à votre nom, à partir de votre pays de résidence ou de votre pays d'origine. Et on vous délivre une attestation de virement irrévocable à moindre coût et qui est surtout fiable. Et grâce à un document unique, authentique, tout est délivré sur un papier qui est spécial, protégé et qui est reconnu par le consulat. D'accord. Je vous parle maintenant des avantages effectivement que nous avons qui sont liés directement à cette attestation-là, mais les avantages ne s'arrêtent pas ici. Il faut savoir que cette attestation de virement irrévocable Studeli vous permet également, vous donne la possibilité de bénéficier d'une garantie locative, puisque nous pouvons gratuitement, à votre demande, nous pouvons nous porter garant pour vous auprès d'un bailleur en France de votre choix. On a parlé également pendant les derniers lives avec les différents intervenants, donc les différents étudiants qui ont participé au live, qui ont témoigné de la difficulté qu'ils ont eue pour pouvoir trouver un garant pour leur logement. Le contexte du logement en général en France est assez compliqué, d'autant plus pour les étudiants étrangers. Et quand on ne dispose pas effectivement de garant, qu'il soit physique ou institutionnel, indépendamment des avantages de chacun, on ne peut pas malheureusement trouver un logement. Donc nous vous permettons gratuitement, c'est une solution qui est complètement offerte à votre demande, de vous proposer un acte de cautionnement et par le biais de cet acte, on se portera garant pour votre logement auprès de votre bailleur, donc le bailleur de votre choix. Alors, on a parlé un peu de cette partie, on reviendra donc pour vos questions juste après, mais juste avant, je vais partager avec vous, alors, effectivement, une petite vidéo. Donc là, pour parler un peu plus sur le côté pratique, comment pouvoir finalement bénéficier de cette solution, sachez qu'il vous suffit uniquement de vous rendre sur notre espace, donc l'espace espace.studeli.com et effectuer une demande d'AVI. Quand vous effectuez ces demandes, vous complétez un ensemble d'informations. Donc, vous complétez des informations personnelles, vos coordonnées, vos informations scolaires, donc votre établissement éventuellement d'accueil. Et puis, vous nous transmettez un ensemble de documents, notamment votre passeport, votre lettre d'admission, afin qu'on commence à traiter votre demande. Une fois que vous effectuez cette demande-là et vous la soumettez, un conseiller Studeli dans le pays où vous résidez prendra le relais, il vérifiera votre demande, il vérifiera la conformité des éléments que vous avez soumis, et puis il le validera et il pourra fournir à ce moment-là un contrat de prestation à votre nom pour que vous puissiez venir le signer directement dans les bureaux de Studeli. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, vous pouvez même venir avec vos parents, vous pouvez vous renseigner, poser toutes vos questions sur ce contrat-là afin que tout soit transparent et que vous soyez vraiment au courant de tout ce qui vous relie et vous lie à notre entité. Une fois tout ça est fait, nous pouvons à ce moment-là vous délivrer ce qu'on appelle les coordonnées bancaires tout simplement de votre compte. Comme je vous ai dit au tout début, la différence avec Studeli, c'est que nous pouvons vous créer un compte bancaire à votre nom, donc un compte bancaire bloqué à votre nom qui vous permet donc de bloquer la somme de la caution directement sur le territoire français.
Ce compte bancaire, il est créé automatiquement à partir du moment où vous signez votre contrat de prestation et qu'on le charge sur votre espace client. Donc, on vous donne les coordonnées bancaires de ce compte-là, vous effectuez votre paiement ou le dépôt de votre caution et puis, à ce moment-là, on pourra vous délivrer votre attestation de virement irrévocable. Juste avant de passer à la deuxième étape, je tiens à préciser que pour les étudiants qui n'ont pas la possibilité de payer ou de bloquer la caution directement sur le territoire français, ne vous inquiétez pas parce que vous avez la possibilité également de faire le blocage directement dans le pays où vous résidez. Nous avons des comptes, donc des comptes bancaires au nom de Studeli, vous pouvez bloquer l'argent, vous nous donnez simplement l'autorisation en signant un document spécifique afin qu'on transfère les fonds à partir de votre pays de résidence ou de votre pays d'origine directement vers votre compte bancaire bloqué qu'on a créé à votre nom. Alors, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure afin qu'on puisse y répondre à un moment donné. Une fois donc nous recevons les fonds ou ce que vous avez déposé effectivement dans votre compte, vous recevez votre attestation sous 48 heures en main propre directement et de façon très très rapide. Et puis en même temps, pour la majorité d'ailleurs des pays où nous sommes présents, nous transmettons un duplicata, donc une copie de votre attestation, directement au consulat de France de votre pays pour qu'il puisse vérifier l'authentification du document. Une fois donc vous préparez tous vos documents de demande de visa, notamment votre logement, votre justification des ressources financières, etc., vous préparez ce dossier-là et vous allez le déposer au niveau du consulat de France. Une fois votre dossier a été étudié, une décision a été prise, vous obtenez votre visa éventuellement. À ce moment-là, vous préparez votre départ pour le territoire français. Une fois vous arrivez sur le territoire, vous nous transmettez vos coordonnées bancaires afin qu'on puisse commencer à vous faire des virements mensuels. Sachez qu'à ce niveau, il y a un élément qui est très très important que je tiens à partager avec vous, c'est que Studeli aujourd'hui peut également vous accompagner pour ouvrir un compte bancaire à partir de votre pays de résidence directement sur le territoire français. C'est une solution qui est inédite, ça n'existe pas ailleurs pour l'instant et c'est une facilité incroyable pour les étudiants qui est de pouvoir ouvrir le compte bancaire avant même d'arriver sur le territoire français. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus au niveau local et à lancer votre procédure directement au niveau local, comme ça vous bouclez cette problématique et quand vous arrivez sur le territoire français, vous avez déjà vos coordonnées bancaires, vous ne faites que nous les transmettre plutôt et nous déclenchons vos virements de façon automatique. Autrement, vous allez devoir passer bien sûr par une banque de votre choix et ça risque de prendre un peu plus de temps, mais c'est complètement faisable également. Par contre, alors, on suppose que si éventuellement, suite à la demande de visa, à l'issue de votre demande de visa, vous avez malheureusement un refus de visa. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire un recours, vous pouvez revoir votre dossier, vérifier les motifs pour lesquels votre demande a été refusée, pouvoir compléter votre dossier de façon à pouvoir le rendre beaucoup plus complet et beaucoup plus intéressant. Si éventuellement vous êtes dans cette situation, sachez que si vous souhaitez refaire une demande dans les mois qui suivent auprès du consulat, nous pouvons conserver votre caution chez nous et nous pouvons vous délivrer au moment où vous allez obtenir un nouveau rendez-vous au consulat, nous pouvons vous délivrer une nouvelle attestation reconduite à la date du jour et sans frais supplémentaires. Donc, vous ne payez rien du tout en plus des frais de service que vous avez payés déjà au tout début de votre souscription. Maintenant, si éventuellement vous souhaitez être remboursé, c'est complètement faisable. Vous allez avoir un ensemble d'informations à nous transmettre, notamment votre notification de demande de visa, les coordonnées bancaires sur lesquelles le remboursement va être effectué, etc. Et puis à ce moment-là, nous allons vous rembourser sous un délai d'un mois maximum. Voilà. Alors, effectivement, la procédure, comme vous le voyez, c'est une procédure qui est assez simple. Nos équipes sont disponibles pour vous accompagner, pour vous aiguiller là-dessus. Et on a des conseillers, bien sûr, un peu partout où nous sommes présents qui pourront vous accueillir dans leur bureau et puis vous accompagner de vive voix. Alors, avant
de passer aux réponses à vos questions et également à l'intervention de nos trois chers clients Studeli qui vont gentiment partager leur expérience avec nous. Je tenais d'abord à préciser que Studeli aujourd'hui comprend la réalité des familles. On sait que ce n'est pas évident de rassembler une somme importante d'argent, une somme rapidement afin d'effectuer le blocage de la caution, on le sait. On est là aussi pour répondre à ce genre de problématiques que vous pouvez rencontrer. Nous avons aujourd'hui mis en place plusieurs solutions pour vous faciliter la tâche et éventuellement une solution de prêt en Afrique de l'Ouest. Et récemment, on l'a même mis en place au niveau de l'Afrique centrale. On a mis en place simplement un système d'aide au financement. Donc, pour toutes les personnes originaires de ces deux zones, nous permettons à vos parents d'effectuer une demande de prêt directement auprès de nos partenaires microfinance. Donc, on va vous accompagner d'abord dans la démarche d'obtention de prêt. On vous met en relation avec la microfinance. On vous rassure, on vous offre quelque chose d'assez rapide parce que on a une promesse de traitement de demande sous 3 jours maximum ouvrés, ce qui est vraiment exceptionnel par rapport à ce qui existe pour une procédure de financement basique. Et puis également, qui n'est pas des moindres, nous efforçons de négocier le meilleur tarif pour vous avec un taux d'intérêt moins cher par rapport aux banques. Et puis toujours, bien sûr, pour pouvoir vous satisfaire et surtout vous trouver des solutions adaptées à vos conditions. Alors, pour pouvoir enchaîner, je propose effectivement qu'on commence à répondre à quelques questions. Alors, une première question est effectivement à combien fixer le montant de la caution pour études ? Généralement, la caution pour études qui est demandée par le consulat est fixée à 7 380 euros. C'est l'équivalent de 615 euros par mois. Bien sûr, alors en Algérie, par exemple, depuis l'année dernière, c'est devenu 7 500 euros qu'il faudra effectivement bloquer. Maintenant, le montant que vous allez bloquer, c'est un minimum de 7 380. Vous pouvez en bloquer plus et cela dépendra, bien sûr, de votre projet et de vos conditions, notamment vos conditions de logement, par exemple. Quand on loue un logement qui dépasse les 615 euros, pour pouvoir avoir un dossier cohérent et complet, il va falloir, bien sûr, compléter la somme de la caution de façon à couvrir le loyer. Alors, cette réponse, alors la même, répondra à la question de Maëlle qui demande la même chose. On nous pose effectivement une question par rapport au pays où nous sommes présents. Aujourd'hui, nous sommes présents en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique du Nord. Donc, Afrique du Nord, ça va être le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. En Afrique de l'Ouest, le Mali, le Bénin, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso récemment et la Guinée qui nous ont rejoints cette année. C'est nos petits bébés. Et puis, en Afrique centrale, nous avons le Cameroun qui a d'ailleurs été la première filiale qui a été créée chez Studeli. Et puis, nous avons également ouvert des bureaux en RDC, donc en République démocratique du Congo, à Kinshasa, et également au Congo, donc Congo-Brazzaville. Et puis, bien sûr, nous avons, comme je vous ai dit au tout début, des projets d'ouverture dans d'autres pays et nous vous tiendrons, bien sûr, dans la boucle pour vous informer à chaque fois que nous ouvrons nos bureaux. Alors effectivement, excellent. Je vois que les personnes commentent en même temps et il y a même des personnes qui répondent aux questions de l'autre. Donc, c'est super. On est vraiment dans un principe de partage exceptionnel. Donc, j'en suis vraiment ravie. Et je vous propose d'ailleurs peut-être de passer directement à
L'autre partie de notre live qui va être de pouvoir rencontrer et écouter nos intervenants aujourd'hui. Donc vos questions, ne vous inquiétez pas, nous avons traité quelques questions et comme je vous ai dit, si vous avez encore des questions qui n'ont pas été traitées ou si vous pensez à une autre question que vous souhaitez poser, continuez, nous allons revenir dessus après et de toute façon, à la fin de tous nos lives, nous répondons à toutes les questions posées. Ne laissons pas donc nos invités attendre encore longtemps. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir trois de nos clients, Emmanuel, Bilal et Juliette, représentant chacun un pays, un parcours différent et dont je suis sûre le partage d'expérience avec vous, internautes, vous sera très bénéfique. Donc restez à l'écoute, je vais pouvoir les ajouter un par un. Restez avec moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, rebonjour à tous les trois. Bonjour. Ça va très bien, ça se passe bien, vous nous entendez? Oui, c'est très bien, oui. Alors Juliette, je ne t'ai pas entendue, tu nous entends? Tout va bien? Super. Alors je pense qu'il y a un petit retard. Pas très grave. Je ne vois pas. Alors tu nous vois ou pas Juliette? Tu ne nous vois pas? Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Super, parfait. Il y avait un petit décalage, il n'y a pas de problème. Donc, bah, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, donc, pour les sèches, pour nos internautes, nos intervenants qui rejoignent ce live, c'est normal. Ils le rejoignent pour ouais. Partager leur expérience avec Sudeli dans le cadre de la justification des ressources financières et nous parler donc de cette solution telle qu'ils l'ont vécue à partir de leur pays respectif. Nous avons donc avec nous Emmanuel, tout à fait Emmanuel, qui est étudiant d'origine ivoirienne, actuellement en master en marketing digital et management à l'école d'ingénieur en informatique, c'est bien ça, les frais de Paris. Super. Nous avons également Bilal, qui est un étudiant d'origine marocaine, en licence actuellement en sciences exactes et sciences pour l'ingénieur à l'Université de Lille. Donc, bienvenue Bilal. Merci. Et puis Juliette est étudiante d'origine camerounaise et actuellement en master en sciences des matériaux à la Sorbonne. Bienvenue Juliette. D'ailleurs, je commencerai bien avec toi Juliette. Je t'ai présenté rapidement. Je te laisserai te présenter un peu plus amplement. Je te donne la parole pour que tu puisses le faire plus amplement et nous parler de ton parcours, ta formation et puis nous faire un retour sur le service AVI de Studeli. Comment tu l'as vécu? Je sais que toi, tu es passé de ton côté par notre bureau de Douala, c'est bien ça? Et puis, je veux savoir qu'est-ce qui t'a ramené quelque part dans ce bureau-là. Donc, dis-nous. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Juliette Sandra. Je suis étudiante en master en chimie, sciences des matériaux à Sorbonne Université. Alors, j'ai commencé ma demande de visa dès que j'ai reçu mon acceptation dans une université en France. Et je suis passée par Campus France, en fait. Non, je ne sais pas, Campus France Douala. Une fois l'acceptation, il a fallu composer le dossier et le document le plus important, bien évidemment, c'est l'avis. Donc, j'ai commencé, je me suis renseignée. En fait, j'ai eu une recommandation d'une amie qui était déjà passée par Studeli. Elle était très satisfaite et puis elle m'a dit, dès le départ, en fait, dès que je commençais ma demande, elle me dit, caution AVI, ne va pas à la banque, tu iras directement à Studeli. Et puis, elle m'a dirigée vers le site, je suis allée sur le site web, j'ai créé mon compte,
J'ai posé des questions. C'était très, très interactif. Ils avaient même également un groupe WhatsApp. Donc, c'était super. Et puis, quelques jours plus tard, après avoir réuni la somme demandée par le consulat, je suis allée dans les locaux à Bali, à Douala. Et puis, de là, j'ai rencontré le personnel, super accueillant et tout. Et puis, on a fait la demande, j'ai signé le contrat. Enfin, on m'a expliqué les termes, tout ce qu'il fallait savoir. La somme, comment ça allait se passer. Ils ont bien expliqué le truc. Et puis, on m'a fait signer le contrat, j'ai signé. Et puis, on m'a donné le nom de la banque à laquelle il fallait que j'aille déposer l'argent. Je l'ai fait et puis, je suis rentrée chez moi, calmement. Deux jours plus tard, j'ai reçu mon billet. Donc, je suis venue chercher, récupérer mon AVI. Super, le document était là, il était prêt. Et puis, j'ai réuni la somme des papiers, le reste des papiers. Et puis, bon, voilà. J'ai juste attendu, j'ai reçu mon visa et je suis arrivée en France. Ah bah, par contre, si j'avais su qu'il était possible d'ouvrir le compte bancaire directement au Cameroun, je l'aurais fait. Parce que quand je suis arrivée ici en France et que j'ai dû attendre 2-3 semaines, et heureusement que j'étais logée chez ma famille, sinon ça allait être compliqué, histoire de payer la France, les frais de scolarité, etc. Je vais galérer à ce niveau-là. Donc, un bon conseil, si faites-le. Alors, effectivement, j'ai vraiment galéré ici mes premiers mois, en fait. Mais une fois. Oui, effectivement, je te disais, cette solution-là d'ouverture de compte bancaire, on en est vraiment très, très fiers. Mais c'est une solution effectivement qui a été mise en place il n'y a pas très, très longtemps. Donc, probablement au moment de ton passage, ce n'était pas d'actualité. Mais n'hésitez surtout pas à le proposer aux personnes que tu connais parce que t'es passé personnellement, comme tu t'en témoignes si bien, par cette étape-là. Et on sait que c'est très compliqué. Moi-même, étudiante étrangère, à la base, quand je suis arrivée en France, c'était vraiment un parcours de formation sur ces éléments-là. C'est un peu un cercle vicieux. On a besoin de ce document, de ce document, de ce document. Mais pour avoir celui-là, il faut avoir l'autre. Et donc, c'est pour ça. Exactement, tout à fait. Donc, merci, je te remercie énormément. Je te laisse peut-être terminer, effectivement, si tu as encore d'autres éléments à partager. Quand j'ai eu finalement ouvert mon compte et tout, j'ai envoyé un mail à Studly pour dire « Ok, c'est bon, vous envoyez votre numéro de compte ». Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir un mois gratuit, un mois en plus, si vous faites la demande. Donc, si vous voyez que le premier mois ne sera pas suffisant, vous avez l'opportunité, en fait, de faire une demande supplémentaire. Mais bien sûr, elle doit être traitée et on doit savoir si, effectivement, vous devez la visiter et tout. Mais sinon, parfois, je ne me rends même pas compte que mon argent est déjà là. Je reçois juste le mail disant « Ok, votre demande du mois a déjà été faite ». Donc, super ponctuel, ça se passe super bien. Ah bah je suis contente de t'entendre le dire et puis de voir les autres également le confirmer avec leur tête. Oui, bien sûr. C'est important pour nous, effectivement, de pouvoir répondre à vos besoins et vous accompagner. Et d'ailleurs, c'est ce que nous offrons quelque part de différent. Au-delà des avantages que je vous ai présentés au tout début, que j'ai présentés aux internautes, nous sommes dans une approche vraiment de proximité. Nous avons des personnes ici en France et en local. Ce n'est pas pour rien, c'est pour pouvoir vous accompagner dès le début quand vous êtes chez vous et puis quand vous arrivez ici et vous créez votre nouveau chez vous. Nous restons à vos côtés et nous avons effectivement un standard qui répond à ça. Les étudiants peuvent à tout moment nous appeler pour avoir des informations concernant leur virement et éventuellement faire des demandes. Nous pouvons toujours les étudier, les vérifier et les valider en fonction des situations des uns et des autres. Donc, je te remercie énormément, Juliette, d'avoir parlé de ce point-là. Alors, je passe à toi, Bilal, pour le coup.
une expérience relativement différente de celle de Juliette. Ton parcours, il a été initié un peu différemment, sans spécialement avoir connu des personnes qui sont passées par notre service, parce que tu n'as pas été recommandée, enfin, on ne t'a pas recommandé notre service directement, mais tu as quand même fait confiance, toi et tes parents. Et d'ailleurs, pas uniquement pour justifier des ressources financières, tu as également... Et pour le logement. Tout à fait. Donc, on a un peu trouvé un logement. On espère que tu t'y plais et que ça a été une procédure intéressante. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que tu as même décidé aujourd'hui de renouveler ton AVI avec nous cette année. Oui, justement. Ça prouve quelque part que tu es satisfait. Bon, tu me diras. Ouais, je suis complètement satisfait, oui. Ah bah super. Bah, je te laisse alors la parole, Bilal, je t'en prie, afin de te présenter et puis nous raconter un peu comment a été ton histoire et ton expérience avec nos équipes au Maroc et ici. D'accord, merci Ouda. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Bilal, j'ai 19 ans. Voilà, c'est ma première année ici en France. J'ai découvert l'agence Tudeli juste en cherchant sur Internet les motifs du refus de visa. En tout cas, vous allez trouver cet article-là sur le site de Studeli. Il est important. Et d'ailleurs, si tu me le permets, Bilal, l'équipe digitale chez nous, elle partage vraiment de façon très régulière plein d'articles qui peuvent vous accompagner dans votre prise de décision. Il y a énormément d'informations. À chaque fois, ils sont publiés sur notre site et puis sur nos pages Facebook et Instagram. Donc, n'hésitez surtout pas à aller les voir. Excuse-moi, Bilal. Ah, c'est pas grave. Bah, voilà, et quand j'ai découvert ce qu'il faisait, j'ai cherché un peu à droite, à gauche sur Internet. Je regardais les avis des internautes. Certes, il n'y avait pas plusieurs avis comme cette année-ci. Ils n'étaient pas si connus avant, donc c'était pas si facile de leur faire confiance. Mais en cherchant sur Internet, j'ai trouvé quelques vidéos sur YouTube qui parlaient de ça. Et j'ai décidé de m'approcher de l'agence Tudeli. Du coup, j'ai contacté la filiale qui est juste à Rabat. D'accord. Ils m'ont donné un rendez-vous. Je suis parti avec mes parents. Ils nous ont tout expliqué. Ils nous ont convaincus, voilà, rapidement. Franchement, leur AVI, il est très bénéfique. Enfin, vous allez voir, si vous le faites, vous n'allez pas le regretter, en fait, parce que vos virements, vous les recevez au bon moment, à la fin de chaque mois, sans retard, pour financer le mois prochain. Et voilà, surtout l'AVI, il est bien important pour recevoir, pour avoir plutôt votre visa. Donc, je peux vous dire que c'est un service qui est 100% fiable. Donc, sur ce point-là, n'hésitez pas. Super. Bah, je suis contente de t'entendre, Bilal. Merci pour ton témoignage. J'aurais souhaité poser une petite question à Juliette éventuellement. Quand tu écoutes, t'entends Bilal parler effectivement de son expérience et d'être passé par nous sans même avoir été recommandé, qu'est-ce que t'en penses toi par exemple? Est-ce que tu aurais pu faire confiance à une société par exemple qu'on t'a pas spécialement recommandé, tu vas simplement trouver ça sur Internet. Est-ce que tu penses que tu planterais avec cette entreprise ou quels seraient globalement les critères qui m'ont trouvé pour toi que ça en vaut la peine d'aller vers eux? Moi, personnellement, je calcule que si je vois un truc sur Internet, c'est dans mon quartier, je vais me déplacer, je vais aller. Et je vais chercher à avoir des explications, c'est clair. Si c'est que ça vous intéresse un tout petit peu, vous allez dans les bureaux, vous posez des questions, ils répondent à toutes les questions. Posez toutes les questions, envoyez des mails, participez à des conversations, essayez de vous renseigner au maximum. Mais franchement, si c'est que je n'avais pas été recommandée et que j'avais vu sur Internet, je serais allée directement dans les locaux. J'aurais eu la même, cette même bonne impression en fait. Donc, je pense que effectivement, j'aurais sûrement déposé mon argent. Ouais. Très bien. Merci Juliette. Merci pour ton témoignage. Et puis passons à notre cher Emmanuel. Tu avais également le même besoin que Juliette et Bilal, mais oui. Tu as vu l'histoire autrement.
sachant que tu as initié la procédure de souscription au Maroc, où tu vivais auparavant, et oui. Pour des raisons éventuellement de titre de séjour, tu as dû rentrer en Côte d'Ivoire, ton pays d'origine, afin d'effectuer ta demande de visa. C'est ça. Je te laisse te présenter à ton tour et puis nous parler de ton expérience et comment tu l'as vécu, surtout en passant par deux bureaux différents. Ouais. Bon, bonjour à tous. Moi, c'est Agoussie Emmanuel Unis. Je suis étudiante en Master 1 Marketing Digital à l'EFRE Paris. Voilà. J'étais étudiante au Maroc et j'ai voulu faire la transition entre le Maroc et la France. J'ai voulu venir en France. Du coup, j'ai cherché, en fait, après avoir fait la procédure Campus France et après avoir eu mon acceptation, il fallait maintenant passer à la procédure de visa. Mm-hmm. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir quels sont les documents qu'il fallait fournir, en fait, pour avoir le visa. Ouais. Et automatiquement, sur la page, la barre de recherche, il y a eu Sidélie qui s'était affichée. Au départ, je me demandais en fait qu'est-ce que ça voulait dire la vidéo. Donc, j'ai fait des recherches un peu plus poussées. La vidéo qui m'avait convaincue, c'était une petite vidéo, un peu comme un dessin animé qu'ils avaient posté sur leur site, avec une jeune fille qui... De Linda, la petite fille est appelée Linda. Et juste une anecdote d'ailleurs, Emmanuel, Linda, c'est un personnage qui a été inspiré quelque part de faits réels, parce que notre toute première cliente s'appelle Linda, elle est camerounaise et donc elle est passée par nous sans qu'il y ait aucun client Sudeli avant elle. Et actuellement d'ailleurs, elle fait partie de notre équipe en France. Elle travaille chez Sudeli depuis et elle a réalisé son projet d'études et l'a finalisé. Elle continue son séjour en France. Juste pour l'anecdote. Je te laisse reprendre, Emmanuel. D'accord. Donc, du coup, après la vidéo de Linda, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée en contact avec Sudeli Maroc pour essayer de comprendre et avoir un peu plus de détails sur l'AVI. Ils m'ont répondu sur Messenger. Du coup, ils m'ont donné un peu plus de détails sur l'AVI. Mais le problème que j'avais, c'est que je ne pouvais pas entamer la procédure au Maroc puisque je n'avais pas le titre de séjour. Mmh. Alors que pour pouvoir déposer les documents à l'ambassade, il fallait avoir le titre de séjour. Donc, j'ai décidé de rentrer dans mon pays d'origine pour faire la demande de visa. Mm-hmm. Donc, un conseiller au Maroc m'avait en fait proposé de rentrer en contact avec Sudeli Côte d'Ivoire pour avoir plus de détails avec eux de comment ça allait se passer. Donc, du coup, j'ai encore cherché sur Facebook Sudeli Côte d'Ivoire. Je suis rentrée en contact avec un conseiller avec qui je discutais même depuis le Maroc. Mm-hmm. Qui m'avait dit en fait que quand je rentre au pays, il fallait que je passe dans leurs locaux pour avoir plus de détails. Donc, quand je suis rentrée au pays, après, quand je l'ai expliqué à ma mère, au début, elle était un peu réticente parce que c'est quand même une forte somme d'argent qu'il faut déposer. Ah, mais bien sûr, oui. Oui, après, quand j'ai cherché un peu sur Internet aussi et déposer en fait le compte bloqué, c'était plus rassurant que de prendre un garant. Parce qu'avec le garant, il y a beaucoup plus de vérifications à faire. Alors qu'avec le compte, le consulat est bien sûr que tes ressources financières, tu vas les avoir en fait à la fin de chaque mois. Voilà. Donc du coup, ma mère, elle a dit qu'on allait partir au plateau. C'est vrai qu'on a galéré pour trouver leurs locaux. Et d'ailleurs, ça a changé depuis. On a agrandi nos bureaux et on a changé de localisation. Je pense que ça te plairait plus, mais c'était très bien déjà au début. On avait vraiment galéré pour trouver les locaux, mais heureusement, on les a trouvés. Quand on est arrivé, j'ai rencontré un conseiller qui m'a mieux expliqué, qui m'a donné plus de détails. Nassou et Brice Gomé, à qui je fais un petit coucou, merci pour ton aide. Voilà. Bonjour. Il nous a beaucoup aidés, il a donné plus de détails. Il a réussi à convaincre ma mère. Voilà. Donc, après qu'on soit rentré à la maison et qu'on ait réuni en fait les ressources nécessaires, on est revenu vers Sudeli, on a signé le contrat, on a déposé les fonds qu'il fallait. Et deux jours après, on m'a appelé pour me dire que mon AVI, elle était prête. Super. Donc,
J'avais même la veillée peut-être 2 ou 3 semaines avant d'aller déposer les papiers au consulat. Donc, du coup, j'avais plus de problèmes par rapport aux ressources financières. J'avais d'autres problèmes en fait, à gérer, en fait. C'est plus simple parce que tu te sors un problème de la tête. Tu arrives maintenant au niveau de. En fait, moi, je n'ai pas pris l'hébergement avec Studéli parce que j'avais de la famille ici et j'ai eu une attestation d'hébergement. Voilà. Donc, après, quand je suis arrivée en France, je n'ai pas eu trop de problèmes avec le compte bancaire. J'ai pu Ouvrir le faire, rapidement. oui. Et une fois que j'avais eu mes coordonnées pour le compte, je leur ai envoyé. Et depuis lors, je reçois mes virements, même avant. Normalement, je paye le loyer le 5, mais même avant le 1er du mois, je reçois toujours mes virements. Et il y a un truc que je voudrais dire. Généralement, il y a certaines personnes qui demandent, par exemple, des garants pour se dire, on va prendre le garant pour justifier nos ressources financières à l'ambassade. Et après, quand je vais arriver ici, je vais me débrouiller pour trouver du travail ou pour, je sais pas, faire quelque chose pour pouvoir payer mon loyer ou pour pouvoir manger. Voilà, ça ne réussit pas à tout le monde. Tout à fait. Non, ça ne réussit pas à tout le monde. Donc, ça serait bien mieux de pouvoir bloquer les fonds, d'être sûr, en fait, que pendant une année au moins, tu sauras où dormir, tu pourras manger. Voilà. Donc, avec Studéli, c'est l'efficacité, la rapidité et, en fait, c'est sûr. Tu sais au moins qu'en un an, tu pourras payer ton loyer au lieu de venir ici et après, tu ne trouves pas du travail, tu es dans des difficultés. Voilà. C'est un peu ça. C'est exactement ça, Emmanuel, parce qu'effectivement, quand on arrive, en tout cas la première année, il nous faut une certaine stabilité. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, les stages, c'est complètement faisable. Les activités en parallèle, les jobs étudiants, c'est des choses au contraire dont les étudiants peuvent disposer et ils sont facilement accessibles. Mais pour la première année, c'est aussi une année d'intégration, d'adaptation, de pas mal de choses. Donc, il faut vraiment se préparer là-dessus. Et pouvoir préparer le terrain pour au moins garantir une certaine sérénité pendant cette première année-là. Oui, c'est ça. Est-ce que, Emmanuel, toi, puisque tu es passé par deux bureaux, est-ce que tu as pu éventuellement remarquer des différences culturelles, par exemple, dans le traitement de ta demande, dans le conseil entre les bureaux, par exemple, du Maroc et Abidjan? Est-ce que globalement, l'expérience a été vraiment différente pour toi? Pas vraiment. Ils ont tous été accueillants. Ils ont tous répondu avec aimabilité. Si je ne savais pas qu'il y avait deux conseillers différents qui me répondent, en fait, je me serais dit peut-être que c'est presque la même personne qui me répond, en fait. Oui. Très très bien. D'accord. Ça en dit long. Alors, c'est très important ce que tu es en train de nous dire, Emmanuel. Et d'ailleurs, je voulais dire tout à l'heure que, effectivement, pour rebondir à ce que tu disais, il est important de se préparer financièrement pour le projet d'études en France, d'anticiper sur pas mal de choses, mais surtout également préparer sa capacité d'adaptation. Comme toi, Emmanuel, tu as eu l'opportunité peut-être d'expérimenter un passage par une culture qui est relativement différente de la tienne dans un pays différent. Tu as été pendant un petit moment et puis je suis sûre que ça a été une vraie richesse pour toi. Donc, je tiens simplement à dire aux internautes qu'il faut, éventuellement aux étudiants qui ont des projets d'études, de garder dans leur tête qu'un des challenges importants de leur projet de mobilité internationale, c'est ces différences-là, mais c'est également ce qui fera la richesse de l'expérience et ce qui les permettra de s'ouvrir sur autrui et grandir. Donc, c'est bien de se préparer vraiment et de voir ce projet d'études comme étant un ensemble d'éléments, notamment financiers, mais également personnel. Il y a énormément de développement personnel qui est impliqué dans cette phase-là ou dans ce parcours ou dans cette étape de la vie de l'étudiant. Donc c'est vraiment important que tout le monde parte avec cet état d'esprit-là, ouvert à la découverte et au travail pour la réalisation du projet, tout simplement. Je suis sincèrement contente de vous entendre tous. Vos témoignages sont
bénéfique pour les internautes, j'en suis sûre. Et juste pour finir, peut-être, j'aurais souhaité savoir si vous aviez quelques raisons, avantages à lancer, la première raison à laquelle vous pensez qui permettra de motiver quelqu'un à aller chez Studeli, laquelle? Par exemple, je commence avec toi, Bilal. S'il y a une seule raison pour souscrire au service de Studeli, ce sera laquelle, selon toi? Le confort. Le confort. Ouais, vous êtes confortable. Il y a moins de démarches à faire, surtout au niveau logement. RVI aussi, mais niveau logement aussi, c'est comme Ouda a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est très compliqué ici en France, surtout que vous avez besoin d'un garant. Tout à fait. Et lorsque vous êtes à l'étranger, c'est pas facile. Et finalement, cette solution-là d'AVI permet quelque part de garantir ce logement-là. Donc, on coupe une pierre deux coups. Super, merci beaucoup pour ton témoignage, Bilal. Emmanuel, par exemple, si tu as un conseil à donner aux étudiants qui ont des projets d'études en France et qui cherchent à justifier leurs ressources, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais d'opter pour Studeli déjà pour le fait qu'ils sont reconnus par le consulat. C'est sûr, je veux les rassurer que c'est quelque chose de vraiment sûr déjà, parce que moi, j'ai eu mon visa en une semaine. Voilà. Et l'AVI, elle est rapide. Super. Et puis, Juliette, qu'as-tu pensé globalement de l'accompagnement de Studeli? Est-ce que tu le recommanderais d'ailleurs à d'autres personnes comme ça t'a été recommandé à toi? Oui, tout à 100%. Je le recommande. Franchement, je le recommande. Je n'ai pas été déçue du tout. À partir du moment où le premier virement est venu, les virements ont continué à venir et à venir et à venir, sans problème, sans souci. Il n'y a pas eu de retard, il n'y a rien du tout. Pas de bug, rien, rien. La somme est là. Ils ne partent pas avec votre argent, les gars. La somme est là. Super, très bien. Merci beaucoup, Juliette. On peut passer, peut-être prendre deux ou trois questions des internautes. J'en ai une qui a été posée pour nos intervenants. Comment continuer aujourd'hui, vous, à financer les études une fois arrivé sur le territoire, en plus de ce que vous recevez avec l'attestation de virement irrévocable et vos virements mensuels? Comment est-ce que vous garantissez quelque part une certaine sérénité une fois vous n'avez plus cette attestation-là? On commence par qui? Bilal, je t'en prie. D'accord. Bah, justement, moi, comme vous avez dit tout à l'heure, je suis en plein renouvellement d'AVI. Donc, c'est justement parce que ma préfecture, elle demande pour le titre de séjour un autre justificatif des 615 € par mois pour l'année à venir, c'est-à-dire pour l'année scolaire 2020-2021, l'année universitaire plutôt. Et voilà, donc c'est comme ça que je vais subvenir à mes besoins presque chaque année. Voilà. Très, très bien. Alors, Emmanuel. Alors, pour cette année, j'ai opté en fait pour l'alternance. Ah, très bien. Pour la première année, quand je viens d'arriver à avoir l'alternance, c'est quasi impossible parce qu'il faut commencer à chercher bien avant septembre. Donc, comme je suis ici depuis septembre et que je suis là depuis, voilà. Donc, ce que je fais actuellement, c'est que j'ai opté pour l'alternance. Ça me permettra de financer mes études et de payer un logement, de pouvoir, voilà. En plus de peut-être avoir un job étudiant. Puisque j'ai quand même eu de l'expérience ici, je suis quand même intégrée, donc voilà. Très, très bien. Super. Bah, beaucoup de courage. C'est vrai que le parcours d'alternance, c'est un parcours qui est très intéressant, qui nous permet vraiment de forger une personnalité, et surtout de développer des compétences professionnelles assez intéressantes qui nous aideront dans le futur et qui nous permettront de nous améliorer tant professionnellement que personnellement. Bonne continuation à toi, Emmanuel. Merci. Et puis, Juliette? Un petit retard. Juliette? Je vais rejoindre Emmanuel, en fait. Genre, ouvert de l'alternance, bien évidemment, en deuxième année. Mais dans le cas où vous ne trouvez pas l'alternance,
Un conseil, quand vous arrivez en France, ne vous dites pas que okay, la première année, vous avez de l'argent et vous avez dépensé tout votre argent. Enfin, si vous avez la possibilité, une certaine assurance que vous allez réveiller, ok, vous pouvez aller dépenser votre argent. Mais dans le cas où vous n'avez pas d'assurance, vous ne savez pas comment s'épargner, les gars, premièrement. Merci. Puis, vous cherchez des jobs étudiants. Vous postulez pour une alternance parce que la finance aussi, c'est d'avoir un job étudiant, ça, franchement, vous aider. Très bien. Alors, je pense que ça avait coupé un tout petit peu, mais effectivement, tu as très bien raison dans ce que tu dis. Il faudra être capable de pouvoir bien gérer son argent. Et d'ailleurs, l'objectif, et ce qui rassure plusieurs parents, c'est le principe régulier des virements qui sont faits de façon organisée auprès des étudiants chaque mois. Donc ça également, c'est un élément important à prendre en compte pour pouvoir gérer ses virements au lieu de recevoir tout en une seule fois. Et puis, en même temps, il y a d'autres biais pour pouvoir se développer et subvenir à ses besoins, notamment en trouvant des jobs étudiants et des stages. C'est un tout petit peu compliqué en cette période, forcément, à cause du actuel, mais ça commence à s'améliorer et petit à petit, nous allons reprendre le chemin du travail, nous allons reprendre notre activité quotidienne et nous allons effectivement pouvoir retrouver ces différentes opportunités qui nous permettront de trouver un stage, financer l'étude et puis financer notre vie quotidienne. Je te remercie énormément, Juliette, pour ce témoignage. On passe juste à une autre petite question. Une étudiante, Emmanuelle, qui nous dit qu'elle est intéressée, qu'elle est en Tunisie et souhaiterait avoir le prix, les dossiers à fournir. Je souhaiterais juste te dire, Emmanuelle, que effectivement, tu peux complètement passer par notre équipe de Tunisie qui pourra répondre à toutes vos questions. Nos frais de service chez Studeli s'élèvent à 535 €. Et puis, sachez d'ailleurs que vos parents peuvent payer dans votre pays d'origine si ce pays d'origine fait partie de notre liste de pays où nous sommes présents. Nous avons des comptes bancaires là-bas, donc si éventuellement vous ne pouvez pas payer directement en France, vous pouvez toujours le faire au niveau de vos pays de résidence. Alors, petite, peut-être dernière question. Alors, super, un petit témoignage, je me permets de le partager. Mille Ricardo qui nous dit qu'effectivement, il a su que notre service était fiable, bah, super. Il s'est rendu sur le site officiel et puis il a vérifié la sécurité du site et il est fier de notre service. Bah, on est content de t'entendre, Mille Ricardo, et puis n'hésitez surtout pas à nous contacter si besoin. Bon, alors, on a fait effectivement un petit tour sur les questions. De toute façon, nous allons pouvoir y répondre à la fin de ce live. Il n'y a aucun problème. Je vous remercie, Emmanuel, Bilal, Juliette, pour vos témoignages. Je remercie également les internautes de nous avoir suivi et avoir posé leurs questions. Je souhaiterais terminer ce live en vous informant d'abord que pour tous ceux qui souhaitent bénéficier du service de justification des ressources financières, sachez que actuellement nous proposons une réduction de 10% sur les frais de service dans la majorité des pays où nous sommes présents. Pour le cas du Cameroun, nous proposons une assurance voyage gratuite pour toute souscription à la VI. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Écrivez-nous sur Messenger si vous souhaitez. Rapprochez-vous des bureaux locaux qui sont ouverts afin de bien vous renseigner et puis d'être accompagné de vive voix. Et dites-vous une chose, je profite de tout ce qui a été dit. Emmanuel l'a tellement bien dit. C'est que cet autofinancement, en fait, qui a été l'objectif de notre live aujourd'hui, c'est d'abord un investissement important pour vous et vos parents. On le sait et on en est complètement conscient. C'est une grosse somme, c'est une somme colossale. Mais c'est également un élément important qui permet de garantir votre autonomie
et votre survie une fois en France, comme ça a été dit par les trois intervenants. De toute façon, dites-vous, comme discuté, qu'une fois en France, vous pouvez prétendre à plusieurs aides, faire des économies grâce au groupe job étudiant, au stage que vous aurez à effectuer. Donc effectivement, il faut sacrifier un peu au début. Et ça, c'est un concept de toute façon familier chez les parents. D'ailleurs, le sacrifice, c'est quelque chose qu'ils savent très, très bien faire. Et ça vous permet surtout d'être autonome pendant votre première année, de venir à vos besoins pendant cette première année d'intégration et puis par la suite, pouvoir trouver d'autres solutions qui pourront répondre à votre besoin quotidien. Pour finir, donc, je vous souhaite un agréable après-midi. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur le numéro WhatsApp qui va apparaître à la fin de ce live. Partagez ce live avec vos proches et vos contacts pour faire profiter d'autres personnes. D'autres lives arriveront également bientôt, notamment celui du logement. Bilal pourra en témoigner, c'est une problématique très importante. Bon, Juliette et Emmanuel vont en parler également. C'est un élément très important et c'est un service sur lequel nous nous investissons énormément et nous proposons énormément d'évolutions au fur et à mesure pour vous offrir quelque chose de complet et de rapide. Donc, je sais que plusieurs attendent ce live, il aura lieu la semaine prochaine. Je vous laisse donc garder la date et surtout aller sur notre page Facebook pour suivre et connaître exactement la date de notre intervention, notre prochaine intervention. Et puis, je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.